Le Maillot Express. Express. Alors Régis, c'est à vous. Il reconnaît même plus son jingle. Il est servi aujourd'hui. Hein. Oui. Ah voilà, il se nourrit aux applaudissements. C'est normal, c'est comme ça, nous sommes là. On a passé un bon week-end, hein, les amis. Oui. Hein. D'ailleurs, je voudrais débuter ce Maillot Express pour saluer notre feu secrétaire d'État au commerce, Thomas Thévenoud. Pour deux raisons. La première, c'est pas tous les jours qu'on dit au revoir à quelqu'un à qui on n'a jamais dit bonjour. C'est nouveau, hein. Puis, c'est 9 jours. Hein. Le mec, il a fait 9 jours ministre. Tu vois, il a même pas eu le temps d'entrer son adresse dans le GPS. Déjà toute parti. Sa vie, on va l'appeler ministre quand même. Hein. Quand même, oui. Secrétaire. Mais nous, on savait même pas qu'il avait été nommé mais ministre. C'est bien, au moins. On l'a su au moment de son départ. On a eu l'information. Toute sa vie va peut-être se faire oublier un moment. C'est ça. Il a fait moins qu'une Miss Météo sur Canal+. Seconde raison, chapeau. Hein, félicitations, Thomas. Concernant sa situation fiscale, vous savez, il a eu 2-3 petits problèmes. Thomas a concédé de la négligence, mais pas de la malhonnêteté. Parce que le type a oublié de payer ses impôts pendant 3 ans. La raison, comment on peut oublier la raison, il a dit, il était trop négligent. Occupé. Oui. Faut dire, il avait un boulot très chronophage, puisqu'à l'Assemblée nationale, il s'occupait de la commission anti-fraude fiscale. Oui. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Il a même fait partie de la commission d'enquête sur l'affaire Cahuzac. Oui. Donc il était occupé, c'est-à-dire le type était tellement occupé à savoir si nous, bande de salauds, contribuables, voleurs, payaient bien leurs impôts qu'ils ont oublié de payer les siens. Mais oui, trop occupé. C'est un champion. Ouais. C'est un champion. Enfin, hein. Il aurait dû penser au proverbe africain, quand oui. Il monte au cocotier, vaut mieux avoir le derrière propre. Exactement. Parce que là, ça sent pas bon. Passons au cas Hollande. On en a parlé tout à l'heure. Décidément, comme disait Jacques Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille. Ah bah lui, pour Hollande, c'est la bataille d'Angleterre. Hein. Les mecs sont ravitaillés en plein vol. Hein. Pas le temps d'atterrir. Hein. Je voudrais faire un petit récap parce que c'est important. Le type est... Bon, Hollande hein, est à peu près aussi populaire qu'une tranche de salami dans un buffet cachère. Sa politique aussi efficace qu'une digue de galets au Bangladesh. Son ministre du budget planque du pognon suisse. Son bras droit, hein, Aquilino, Morel, son nègre, hein, se fait cirer les pompes par un petit blanc dans des salons de l'Elysée. Il a viré son ex comme un témoin de Jéhovah, parce qu'il se tapait une actrice de second plan déguisée en livreur de pizza. Il a recyclé son autre ex à l'écologie pour éviter la pollution. La courbe du chômage est inversement proportionnelle à son tour de joue. L'état du pays, bon, bah, c'est le Burkina Faso. Et là, cerise sur le gâteau, son ex, le traite comme un sans-dents, hein, pour un type qui manquait de mordant. Bref, on comprend qu'en 15 jours, là, il a gravi tous les échelons de la loose universelle, le Guinness Book du Guignolo, le Gomillo du Serial Loser, le Renault Lavillenie des sondages. Hein, chaque fois qu'il prend hyper, il bat un record. Tu te dis que c'est la fin, que le type va annoncer son pot de départ. Et on a eu la réponse hein, dans sa conférence de presse à l'ONU. Il a dit « Je reste ». Bon, après les sans dents, le sans couilles. La seule réponse au peuple, je reste. Bon, il a dit autrement. Hein. Il a dit, j'agirai jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle une périphrase. C'est une manière lâche de dire, de toute façon, j'ai signé un CDD. C'est vrai que le courage, la dignité morale, eût été la démission, un sursaut de lucidité, cette petite voix intérieure qui résonne, qui te dit, casse-toi. Quand tu sais que t'es mauvais, que t'as le goût des autres, tu dis, je vais renoncer pour le bien collectif. Hein. Par exemple, c'est ce qu'a compris Yannick Noah en mettant fin à sa carrière de chanteur. Ah non, c'est un mauvais exemple. Bref, il préfère que tous les Français se barrent. Lui, il restera. On est dans le principe de Peters avec François Hollande. Le mec a dépassé son seuil de compétence. Hollande, c'est un peu, si vous voulez, le chef de rayon des produits surgelés qui explique que pour faire des économies, eh ben, la nuit, il stoppe les frigos. C'était Régis Maillot. J'avais jamais entendu une charge aussi lourde contre le président. En même temps, c'est vrai qu'il a un contrat pour 5 ans. Il a un contrat. D'ailleurs, une preuve supplémentaire qui va rester dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France de samedi, il y a marqué de plus en plus de pluie en France dans les années à venir. Voilà. Mais le truc des sans-dents, là, je pense qu'elle est un peu sourde. Elle a dû dire je me fais un sans d'encre pour les pauvres. Non, c'est pas un truc comme ça. Enfin, il a dit c'est sa raison d'être. Les sans-dents ? Oui, la pauvreté, c'est sa raison d'être. Moi, attends, est-ce qu'elle l'a dit vraiment ? Non, mais lui, c'est ma raison d'être. Oui, mais vous n'y étiez pas dans sa salle non, de bain. Non, et on n'a pas envie d'y être. Bon, en tout cas, ça fait débat. On marque une pause et puis je vais vous interroger sur vos coups de gueule et vos coups de cœur à tous les deux.